Messieurs les gouverneurs des banques centrales, Mesdames et Messieurs, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, au service du développement de notre pays. Encore une fois, merci pour votre présence, merci pour ceux qui ont fait des voyages et parfois trop longs pour participer à cette réunion, et j'espère qu'on aura l'occasion de se voir pour examiner et évaluer la mise en œuvre des décisions et des recommandations qui ont été faites. Merci et avec votre permission, je vais prendre le premier forum de Rabat sur la réduction du coût des transferts de fonds de la diaspora. Merci. Les différents pays membres du comité de haut niveau, mais aussi des organismes, des CER et des structures financières africaines. Ce tour de table représentatif en termes de régions, représentatif en termes de compétences, a certainement permis des débats intéressants. Comme je l'ai dit ce matin, l'objectif était que la diplomatie se taise pour un moment et laisse la main aux experts financiers pour traiter de cette problématique très importante. Les échos que j'ai eus des discussions montrent trois choses fondamentales. D'abord, je pense qu'on est tous conscients de l'enjeu de ces transferts de fonds de la diaspora. C'est un atout fondamental pour les économies africaines que nous devons tous essayer d'optimiser cet atout. Deuxièmement, il y a des choses que nous devons faire entre Africains. Il y a des choses que nous devons faire vis-à-vis de nos partenaires. Et je pense que les différentes recommandations contenues dans les conclusions vont vers ces deux sens. Qu'est-ce qu'il est possible de faire entre nous? Nous avons toujours considéré d'abord que l'essentiel de la migration africaine se fait en Afrique, et deuxièmement parce qu'il y a un homework à faire au sein du continent africain en termes de représentation, en termes de coordination et en termes de décisions importantes à faire compte. Et là, l'autre aspect, c'est notre interaction avec nos partenaires. Et là, s'il n'y a pas une action concertée, s'il n'y a pas une action conjointe, si l'Afrique ne parle pas de ce droit, nous allons minimiser l'impact de sa faculté, qui est la diaspora africaine. Il est fondamental qu'on arrive à tenir un discours clair, un discours argumenté avec nos partenaires où la diaspora réside, particulièrement en Europe et en Amérique du Nord. Des démarches par la présidence de l'Union européenne, par la présidence de l'Union africaine, par la présidence du comité de haut niveau, s'avère plus que nécessaire si nous voulons que d'ici la fin de cette année,
sujet possible et surtout à limiter l'impact de décisions qui sont en cours de préparation en Europe en particulièrement et qui auront un impact négatif sur ces transferts. Il est aussi important qu'on maîtrise encore mieux cette dimension de transfert de fonds, qu'on ne soit pas trop dépendant des statistiques qui nous viennent des structures en dehors de la vie. Tant que la littérature, tant que les statistiques et les données ne proviennent pas du continent, qu'on soit juste des consommateurs, peut-être on perd beaucoup d'angle d'analyse et d'action par rapport à cette problématique. Et là, je pense que l'Observatoire peut jouer un rôle important en tant que structure qui va en charge de l'analyse, du suivi, de l'étude de la problématique de la migration africaine. Donc je pense qu'avec ces conclusions de Rabat, nous avons une feuille de route par rapport à cette problématique des transferts de fonds. On n'a plus le prétexte de dire il faut qu'on sache ce qu'on doit faire. On sait ce qu'on doit faire. Maintenant, c'est comment transformer cette volonté en action concrète, en démarche concluante envers nos partenaires. Cher Robert, vous pouvez compter sur le Maroc pour que ces conclusions ne restent pas à l'étranger et pour que cette dimension puisse avoir le suivi nécessaire. Nous nous mettons à votre disposition pour toute démarche conjointe, concertée, par le comité de haut niveau et bien sûr par la présidence sénégalaise de l'Union africaine, pour qu'on arrive à améliorer. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.